C'est l'abonné Julien Cazard. Vas-y, la fête. Après, peut-être, pas avant. C'est toujours sympa de parler du raid et des attentats juste avant mon arrivée. Je trouve ça vraiment élégant. Ça met tout de suite une ambiance. Il fait exprès, hein. D'ailleurs, si vous connaissez des mecs du raid, il faudrait peut-être apprendre à tirer à Diabaté et à Roland. Ça serait pas mal. En termes de sniper, on a fait mieux. Non, mais j'ai entendu que vous avez pris un passeport croate par rapport à la sélection. C'est pas con, vous vous dites. C'est vrai qu'en franchement, en France, Cabaye, Schneiderlin, alors que là-bas, ils ont quoi? Kovacic, Real Madrid, Modric, Real Madrid, Rakitic, Barça, facile. Enfin, franchement, bah, pour leur piquer leur place, mais vraiment à l'aise. Hein. Vous n'avez pas un grand-père espagnol au cas? Parce que franchement, là aussi, c'est les sélections, hein, tranquille, hein, sans frapper. Alors, on dit souvent, Bordeaux. On dit souvent, oui, Bordeaux, c'est une équipe en bois dans un stade vide avec un nom à la con. Peut-être. Mais pas que. Non, mais pas que. C'est réducteur. C'est pas complètement faux, mais c'est réducteur. Parce que vous avez surtout un président qui est quand même un gros déconneur. C'est vrai. Moi, Jean-Louis Triaud, c'est vrai, il est génial. Regardez, la photo de Jean-Louis Triaud, ce qu'on peut le voir. Non, c'est pas lui, non. Non, ça, c'est Gargamel dans les Schtroumpfs. C'est pas lui. Voilà, Jean-Louis Triaud. Alors, on a trouvé une photo de lui quand vous gagnez la Coupe de la Ligue. Très heureux, regardez, le bonheur. On peut voir le bonheur de Jean-Louis Triaud, voilà. Le soir du titre en 99 et en 2009, alors là, quand vous faites le doublé, c'est vraiment la joie de vivre à l'état pur. Alors, on se dit, ça doit être blague sur blague, non-stop. Hein, comme, est-ce que vous... Moi, on m'a dit, il y a des fois, on est obligé de lui retirer ses lacets, pas d'objet contondant, enfin, comme les mecs qui veulent se suicider, quoi, en fait. Il met des scratchs aux chaussures, c'est pas possible. Non, bon, c'est pas grave. Non, mais c'est... Il est comment, Triaud, dans la vie? Comment, Triaud, dans la vie? Parce que dans la mort, on sait, on le voit à chaque fois. On va passer Jean-Louis Triaud. Ça, c'est fait. Donc, vous faites partie de ces équipes, avec Rennes, avec Nantes, qui nous font aimer le championnat de France, parce que spectacle, joie, enchaînement, tout ça. Alors, souvent, on se dit, oui, Canal, des fois, ils vendent pas bien le championnat de France. Sauf que l'année prochaine, on a déjà prévu de vous faire un championnat. Attention, ça va péter. Bande annonce! Canal+, l'an prochain, c'est toute la Première Ligue, avec Arsenal et Olivier Giroud. Mais c'est aussi le Chelsea de Diego Costa. Manchester United. Et il a marqué la première du Golden Boy, Anthony Martial. Mais Canal+, c'est aussi la Serie A avec la Juventus de Paul Pogba. Le Milan AC de Mario Balotelli. Mais bien sûr, la Bundesliga avec Dortmund et Marco Reus. Canal+, c'est aussi la Liga avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo et Benzema. L'année prochaine, Canal+, c'est 100% de l'intégralité de la Champions League. La Champions League. Hey. C'est bien, hein? Vous allez être viré un jour, Cazard. Vous allez être viré. C'est possible. Ça, c'est plus que possible. Je sais plus ce que je racontais. Non, alors vous allez me dire, il exagère, Cazard. Toujours, il en fait des caisses. On n'est pas comme ça, vraiment, à Canal. On n'en rajoute pas des tonnes. Non. Par exemple, Monsieur Giraudon, par exemple, qui commente les matchs de Caen de temps en temps, ou de Bordeaux. Est-ce qu'on peut voir son commentaire du dernier match? Ben Youssef, de voler pour aller chercher Delors. La remise de Delors, il y a Rodelin dans la surface. Oh, Rodelin qui rate complètement sa reprise. C'était Cando Brasil sur cette action. Alors, parce que la dernière fois qu'il a vu le Brésil, c'est contre l'Allemagne, je pense. Hein. Depuis, il n'a plus regardé. Hein. Mais on a pire. Si. On a le mec qui pense qu'on n'avait pas grillé, qu'il était supporter d'une des équipes. Ou alors qu'il allait en vacances tout le temps là-bas. Par exemple, on a Carayon. Bon, Carayon, on va voir, est-ce qu'il va en vacances à Ajaccio ou à Lorient? Ça, on ne sait pas. Moi, j'ai une petite idée dans la passion qu'il met dans le commentaire des buts. Il y a eu un partout entre Lorient et Ajaccio. Écoutez bien la passion qu'il met dans les buts. C'est déjà le quatrième corner à zéro en faveur d'Ajaccio et de Djokovic qui les frappe tous. Filippi à la tête avec l'arbi. Et la but! L'ouverture du score! Mais attention, il y a Goda, le remplaçant de Mori dans les buts. Plein axe. Égalisation.
But. Voilà. Bah, mais il y a but. Voilà, c'est rentré. Il y a but, quoi. Non. Il est... Non, des fois, il peut être... Non, c'est pas vrai, il n'est pas pour Ajaccio. Des fois, il peut être extrêmement objectif, comme notamment sur cette action de Filippi. Regardez, c'est assez édifiant. Oh, superbe. Superbe travail défensif de Filippi, vraiment impeccable. Ah, c'est le taulier derrière. Hein. Super. Vraiment impeccable, vraiment ne change rien. Superbe intervention. Voilà. À vous de juger, est-ce qu'il va à Ajaccio ou à Lorient ? C'est pas trop... Bon, et puis il n'y a pas que Bordeaux qui m'a passionné cette semaine, entre autres. Il y a d'autres équipes, on peut les regarder pêle-mêle. Ouais. Vas-y, mais brale-toi direct. Vas-y, gratte-toi en dessous, puis brale-toi pendant, au lieu de jouer. Ah ben voilà, on l'a retrouvé, Anis, le compagnon de cantine de Bonne Mère. Salut. Ah, cousin, sérieux, t'as vu? Eh, franchement, un but partout. Eh, c'est quoi? Il y a des mecs de Norwich City. On va se casser de cette ville de Tongar, mais en 2-2. Ah, c'est en Brésil. Ouais, je vais sous contrôle, je vais sous. Ouais. Eh, c'est quoi le mec? Il arrive en face de moi. Alors, je le vois. J'avance vers lui. Paf, il fait le tour. J'ai rien compris. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rien vu. Eh, ma gueule, ça va? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que ta gueule, toi? Eh, mademoiselle, je kiffe trop ton boule. Eh, mademoiselle, je kiffe ton boule. Tiens, tu veux mon boule? Bah, tiens, après celui-là, tiens. Ah, laisse tomber, voir. Excusez-moi, il vous est arrivé quoi à la tête? Bah, je me lève ce matin, je comprends pas, je trouve pas ma ceinture alors. Je pars sans ceinture, puis sur le chemin, je trouve une ceinture hyper jolie qui clignote. Je la mets, et puis paf, elle m'a pété à la gueule, je sais pas ce que c'était. C'est hyper bizarre le prêt-à-porter aujourd'hui, je comprends. Eh, casse-toi, on sait que tu as la patte d'Hervé Renard là. Vas-y, casse-toi avec ton brushing, on va plus de toi. On ne va plus de toi, espèce de faillot. Allez, va faire tes UV. Allez, casse-toi. Casse-toi, je te dis. C'est... Ah putain, c'est pas vrai, hein. Ah ben voilà, je savais qu'il le prendrait mal, René Girard, que Antonetti le remplace. Ah, il l'a mal pris, il aime pas Antonetti, il aime pas. Mais tiens, le mec, on lui dit de se casser, il revient. C'est venu, il comprend rien. Je lui dis, casse-toi, mais c'est pas... Il comprend rien, ce type. Il a rien dans la tranche ou quoi? Ah oui, là, ils veulent vraiment le fumer à Beauvue, à Lyon. Hein. Ah, la catastrophe. Ah là là là. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Ben merci, Jackie et Michel. Monsieur, vous avez rien d'autre à foutre que voir un match au Parc des Princes, là? Ben non, en fait, à chaque fois qu'on vient, qu'on fait un hommage à une Marseillaise, on prend un point dans les sondages. On va quand même pas se barrer maintenant. Donc on va en faire pendant 3 mois, au moins. Oh putain, c'est pas vrai, tu peux pas me remplacer par ce tocard. Jean-Kevin Augustin, mais c'est la honte, sérieux. Si jamais il marque un but, je te le dis tout de suite, hein, je préfère me mettre un con comme dans le cul s'il marque. Tu verras. J'ai un bon primeur pour le concombre, si ça t'intéresse. Hein? Elle est sympa, la montre qu'ils m'ont offert, Jean-Louis Triot. Oui, mais ça suffira pas, il va perdre. Et tu sais, pour 400 000, alors que j'ai rien fait avec Olympiakos. Ah, moi, c'est pire, tu sais quoi? Avec le Sporting, j'ai rien gagné du tout. J'ai 800 000 euros. Oh là là. Ah ben, il est revenu, Béric. C'est peut-être un peu tôt, par contre. Hein. Je sais pas s'il est prêt. À mon avis, il est pas prêt. L'abonné. J'ai dit Béric, mais on dit Béric, hein, évidemment. C'est comme vous. Je vais vous poser une question. À votre avis, quel est le duo qui va marquer le plus le Matmut Atlantique les années prochaines? Est-ce que c'est Crivelli et Téline? Est-ce que c'est Diabaté et Roland? Ou est-ce que c'est Chevalier et Las Palès? Je ne sais pas si les plus drôles sont ceux dans... Enfin bref. Ça fait du bien un petit...